Yo les gens, c'est Fatmate80 HD, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une review, test, appelez ça comme vous voulez, de la nouvelle bombe de chez Insomniac Games, Ratchet & Clank Rift Apart, sortie le vendredi 11 juin 2021. 5 ans après la sortie de Ratchet & Clank sur PlayStation 4, qui apprend l'histoire du tout premier jeu sorti en 2002 sur PlayStation 2, le studio revient avec les deux héros sur la première vraie exclue PS5 pour le grand public. Je précise grand public parce que oui, Demon's Souls et Returnal existent, mais en vrai, je pense pas qu'on ce soit des jeux qui s'adressent spécialement à tous les types de joueurs. On est vraiment sur des jeux plutôt hardcore gamers, alors que là, pour le coup, Ratchet & Clank, ça cible vraiment tout le monde. Après cette courte présentation concernant la sortie du jeu, place à mon ressenti après avoir littéralement torcher le jeu. Je vais commencer par les points négatifs du jeu, à savoir la difficulté. Étant donné que c'est mon premier Ratchet & Clank depuis 2002, oui, j'ai seulement joué au tout premier jeu, donc voilà, hein, ne m'en voulez pas. Je suis parti sur le mode normal. Pour ceux qui souhaitent du challenge, jetez-vous vraiment sur la plus difficile afin de vraiment vous rajouter du piment, car la difficulté normale est vraiment beaucoup trop simple. Je crois que j'ai dû mourir 7 à 8 fois à tout casser sur toute la durée du jeu. Et enfin, le deuxième point négatif qui a forcément un rapport avec le choix du mode de difficulté, la durée de vie. Le jeu, il se termine en 12 heures et j'ai platiné le jeu en environ 14 heures, ayant réellement galéré sur un seul trophée car j'avais juste pas compris comment le faire. Dans l'ensemble d'ailleurs, pour les chasseurs de trophées, le platine est assez simple à faire, il se fait vraiment tout seul. Il faudra juste avancer tout au long du jeu, vous allez pouvoir débloquer les trophées en explorant un petit peu. Il y a juste un trophée qui nécessite de relancer une partie en mode défi pour compléter le succès qui consiste à posséder toutes les armes du jeu. Je n'en dis pas plus parce que j'ai pas spécialement envie de vous spoiler concernant les trophées. Voilà pour ce qui est des points qui posent problème. Ensuite, ce n'est que du positif. Tout d'abord, graphiquement, le jeu est sublime. J'ai la chance de posséder un moniteur qui retourne en 4K 60 FPS et j'ai donc profité à fond de l'expérience offerte par ce jeu PS5. Que ce soit au niveau des couleurs ou des détails partout dans les différents mondes, c'est un régal. Vous avez d'ailleurs 3 choix dans les options avant de lancer le jeu. Performance. Et moi, le capitaine Copernicus Leslie Quark, qui animerait les réjouissances. Ça faisait un bail qu'on les avait pas vus. Fidélité. Ça faisait un bail qu'on les avait pas vus. Et RT Performance, un mode qui mélange en fait les deux premiers modes tout simplement. Pour ma part, j'ai donc décidé de faire le jeu entier avec le troisième mode afin de privilégier la fluidité, ce qui rend les combats vraiment nerveux et dynamiques. Autre bon point du jeu d'ailleurs, hein, la diversité des armes, 20 au total, qui permet vraiment de varier la façon d'affronter les vagues d'ennemis et les différents boss. Pour ce qui est de l'histoire, moi j'avais un peu peur au début vu que j'ai très peu joué à les licences. Je me suis posé la question avant de lancer le jeu de savoir si ça allait être problématique. Mais même si c'est votre premier Ratchet & Clank, ça ne sera pas problématique. L'histoire est prenante, à noter le très bon doublage français. On a vraiment l'impression de jouer à un super bon dessin animé, gros film d'animation. Je ne veux pas rentrer dans les détails de l'histoire pour éviter de spoiler, mais on s'attache assez rapidement à nos 4 personnages. Pour conclure donc, par rapport à ce jeu, je dirais donc que ce Ratchet & Clank Rift Apart est une bonne expérience qui s'adresse aux petits et aux grands voulant profiter de leur glorieuse PlayStation 5. J'espère du coup que ce petit test vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu, commentaire. Partagez cette vidéo à vos amis, à votre famille, à tout le monde. C'était Fatmate80HD. Prenez soin de vous. Ciao.